Salut, c'est Chila, bienvenue chez moi à Légendes Urbaines. Yé, Conté, Moutassaraka Réunion. Acte, regarde, Salagi a boycotté, minute à silence. Abel Jacques Ganga, Abel Gwabi, avec la foi, on peut déplacer les montagnes. A Georges Merzo. Nzela Mokonzi Ezali Alima. Kasi Basumu Kibako Tuta Mabaku. Bato Amité Mamabe, repentez-vous car le roi de Dieu est bon. Le Vénica chez Claude Lourdi, la persévérance chez Didier. Oncle O, Donès Oviebo, Batou n'a qu'à passer à l'envie, n'a pas qu'à juste bombé. Damas Ngolali, mère Denise, pourquoi Nzambe a salaté Nzoto Moko Pona Balingani, Bongo Voyage Kabola Bango Teko.
Bonjour. Vous allez bien? Et vous? Très bien. Est-ce que vous pourriez me déposer à l'ICP, s'il vous plaît? Tout à fait. Vous allez chanter? Ouais. Bien. On va faire un petit showcase. Vous connaissez bien Bruxelles? Alors bien, je dirais pas ça, mais je viens à Bruxelles depuis très longtemps. Mm-hmm. Je viens d'à côté en fait, enfin d'à côté, pas à côté à côté, mais je viens d'une petite ville qui s'appelle Hénin-Beaumont et c'est vraiment pas loin d'ici. Du coup, on venait assez souvent avec ma famille. Ça va vous faire écouter un truc. C'est très étonnant d'entendre ma vie résumée comme ça sur... 146 secondes. C'est ça? Oui, ça fait court évidemment. Et pourtant, c'est à peu près ça. Hein. Enfin, bah, je veux dire, il n'y a pas grand chose. 5 frères et sœurs, vous avez? Ouais. Ouais, c'est de la famille, ça. Hein. Ouais, c'est une très belle famille. et c'est toute ma vie. Mais vous êtes la petite. L'avant-dernière. L'avant-dernière. J'ai une petite sœur. Alors, je ne sais pas si moi, j'aurai une grande famille. Parce que c'est beaucoup de travail. mais en tout cas, vivre dans une grande famille, c'est... Ah ouais? C'est magique. Pourquoi? Bah, parce qu'on ne s'ennuie jamais. Ouais. Parce qu'il y a toujours des choses à faire. Et donc, vous en avez vécu des aventures pour votre âge? J'en ai vécu un peu, oui. Ça vous est venu toute petite, la chanson? Oui. Toute petite? Bah, 8 ans. Comme la voiture nous l'a dit. Bon, et quoi, à 8 ans? Quand vous faites ce premier concours auquel vous inscrit votre nounou? Oui. Qui s'appelle Monique? Exactement. Qu'on appelle Momo. La petite fille, elle sent qu'elle est à sa place? Alors, la petite fille a peur, la petite fille est un peu déçue. Alors, en fait, la petite fille, elle a vécu beaucoup d'émotions ce soir-là. C'est vrai qu'au départ, mes parents n'étaient pas vraiment au courant, on leur a un peu dit au dernier moment. Ah ouais. Et on y est allé. Et j'ai chanté, j'ai eu très très peur. De toute façon, je suis très traqueuse, ça n'a pas changé. Et je suis sortie et j'ai été voir ma nounou et ma maman qui était donc venue en me disant j'ai eu peur, mais c'était trop bien, je veux faire ça. Et donc c'est devenu un rêve. Je m'étais jamais vraiment dit que ce serait mon métier, hein, parce que clairement, il y a une chance sur un million qu'une jeune fille de 8 ans qui habite à Hénin-Beaumont devienne chanteuse un jour, un peu. C'est vrai. Mais c'était mon rêve. Et ce soir-là, je suis arrivée cinquième. Donc j'étais mais tellement triste de ne pas avoir gagné, tellement triste. Alors finalement, je me dis, ça va, cinquième, c'est pas mal à 8 ans. J'avais pas pris de cours de chant encore et tout. Après, j'ai commencé à prendre des cours de chant, du coup. Parce que et puis, cours de chant, hein, derrière. Ouais, tout de suite, tout de suite. Ah oui, d'accord. Concours de chant, trop bien, j'adore. Ok, on va faire des cours de chant. J'ai continué à faire des petits concours dans ma région, parfois un peu plus loin. Et puis The Voice. Et puis, l'école des stars, avant. L'école des stars, ça, ouais. C'est sur à D8. 12 ans, oui. Et puis, The Voice. Et puis, The Voice. Et qui vous inscrit à The Voice? Ma maman. Votre maman. En fait, c'était une histoire assez drôle. Je lui ai demandé à 15 ans. Elle m'a dit non. Et justement, à ce concours de chant où j'avais 8 ans, on avait rencontré un homme qui s'appelle Bruno Berberes, qui était donc directeur de casting. Et puis, elle correspondait avec lui un peu tout le temps. Et elle lui envoie une vidéo de moi qui est donc chanteur d'Homme heureux de William Scheller. Et là, il lui répond, je suis en train de faire les castings de The Voice, il faut qu'elle y participe. Quand est-ce qu'elle a 16 ans? Et donc, j'ai eu 16 ans 2 jours avant de Ok. De faire le tournage des auditions à l'aveugle. C'était bien avant qu'elles passent à la télé. Elles sont passées à la télé le 16 ou 17 février, je crois. Et du coup, moi, je l'ai enregistré le 28 novembre, 2 jours après mon anniversaire. Très joli cadeau d'anniversaire. C'est pas mal, ouais. Ouais. C'est pas mal. Cool. Et donc, elle m'avait pas prévenu. Elle m'avait dit non, j'avais lâché l'affaire, hein, parce que mes parents, quand ils disent non, c'est non. Et puis un jour, elle me dit, bon, bah, vas-y, on va à Paris. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va participer à The Voice. Quoi? Ok, d'accord. J'ai lâché mon bol de céréales, fin du monde. Et là, vous n'avez pas gagné non plus? Non. Comme quoi, ça sert à rien de gagner dans la vie. En fait, j'aime bien me dire que quand je gagne pas, c'est pas un échec. Ouais. C'est un... Ça veut dire qu'il faut travailler, quoi. C'était l'idée de la question. Parce qu'on réussit pas tout ce qu'on entreprend, malheureusement. Ben non, l'échec, non. C'est quelque chose de vachement bien. C'est tellement important. Mais moi, oui. Je suis tellement pro se tromper. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Ouais, c'est tellement, en fait... Parce que l'école vous apprend pas ça, hein. Non, tellement pas, au contraire. Moi, je comprends pas, en fait, il faut juste se dire qu'il faut essayer de donner le meilleur de soi-même. Pour moi, c'est super important d'essayer de faire passer ce message-là. On peut se tromper, et en plus de ça, on a le droit de se tromper. Et c'est justement grâce à nos erreurs qu'on va pouvoir apprendre des choses et travailler encore plus. Vous étiez une bonne élève, vous, à l'école? Non. Non? Non. Non, j'étais plutôt j'étais dans la moyenne, parfois plus en échec scolaire, c'était un peu mais j'ai jamais été une bonne élève. En attendant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été premiers et qui aujourd'hui genre s'en sortent très très bien.
évidemment, mais il faut le comprendre par soi-même, ça, plus tard. C'est ça, parce qu'on nous le dit pas.
si on écoute avant au PC il est né. Na PC bango idène. Na PC qui est mon papa. Na bivier. Mais zoaka ba musique auto bengana ki. Po soye kokota la musique. Soye ba betate. Ba ko bengana yo. Le musuta oyebi. Mais kana ikaka. Yete ba longolio. Bima libanda kenda. OK. Après mais bah tout dans Bukili bah il y a pêche on d'aloba la beaucoup de la papa babo il y a une attaque combo il y a une pêche combo ya viva la musique ah bon hein? Pêche muta pêche wemba tant au vendi quand la rep bon ah justement le quoi te former mouvement tout y a mon combo nini viva la musique pour nanini na yoga le collé wemba boka kriwana que viva de fana oh ça. Que viva yoka lokole ale bango sur basi tango Johnny Pacheco oya misema na yaki komba la obaka que viva la musica wemba pe akumo baga ngona yoka lokole tango alunga na yoka lokole bayo sa ide bati akombo viva la musica. OK. Ah bon mais ezaki facilité yoka ide na yo que azwa courage à sala viva la musica aboya kite. Azoni dena ngamba la moko. Yango monita ngayaki na matete. Bana matete ba bifie. Yo ba maître ba sanga go vie. Yo le baka wemba yebi yo. Ne so ya yebi teto ko beta yo. O. Bana matete ba maître. Ya du boko yo kasoni. Bozela ya. Wana wemba sa de tournoi. Na ba commune tout. Avant ba kangema kamangulu. OK. Ayena matete. Ah wara kara ba debila. Ah ayena matete le ayena matete. Ale ba mettre bati sentir. Muta kota te. Ngape na yelo kwa muta kwit. Bole kisana kota. Oh yonani ngabi boy kwit. Wemba mona mose. Botika zorino. Botika. Eh. Amoni lana wemba. Bangutu. Bati ba peka. Kao. Ndena sao. Na matete babe ka kamada da papa wemba. OK. Zorino. Pa belanga matete mobimba. OK. A part ngai mutu wemba yambaki wazekwa. OK. Pero ana wazekwa na kofi konfi. Ale wemba akote ni wazekwa. Aboy kofi. Yepe na kofi bagi rankin. OK. Ale malamoko babengi wazekwa. Wazekwa yebo akomi pembe na biso alataki sandal. Au bauto la musse na pongi ba mettre zonga ke no la ta sapatu ba zongi se de suti na pale ah ala ti sapatu aye su ti na podo to yo fana nae a garso moko ya tembe a kontu na ke se a viva le ki a bayan de munich bg bisan a kontu na le bg bisala bisan le ke se a viva la musique a kontu na bi avant de papa mena papa wemba nani abio mais jori no yewana ba mambe ya viva ba mwana yende amona isute. OK. Interpréter moi yo sanga ozandoki ya ba ku bayo ara ifo ba frapper ozandoki ngabi ah binune bo mona kango grave mais pourquoi ta papa we bakei yo ka lokole tikali yo la dai papa we bate pourquoi. Pourquoi tu galères avec le colé? Parce que yo PC idée qui toque. Na lana qui était parce que ngana massa ma voilà. Na mona que ma voilà tikala ngane to tambola. Si go to comme benemi te il fallait na zalaka na massa nanga. Et puis bangunyo sona oloba mutaka belanga mbongo abesa ma voilà. Tamba yaki na de ya bimombale. Awa na matonge. Ma voilà atini mutayo zanga. Ma voilà foutu en dago na ma campagne. Na kete pa ma voilà. Toye na de wana. Na kutani na ba godane ba ba nani ba Jean-Claude Vemba. Ba ngutu ba sepele ba ya zorino yo. Oya pesinga ça. Oya pesinga ça. Na Monica oui koye bana et ça bien. Oui. Ma voilà pa bien raté to son andako. To comme na ndako 200 na bi ah na sauvé. Na zoni ma tete. Abina nga lobi bongo ya disus poto sa bakus na ke disus sa tia na posi kaka merci ma voye la po na mbongo antuka na ko wanga na tia c'est un bon garçon nga na idaye me yepe a idanga
Pourtant, tant ma voix là, à bout de moi, on est à Liboso. Moi, c'est na yembasania. Nga mutanga kena koide. Ma voix là, joie. Boso ma biloka kolia. Lela so pese mutu 50 000 francs. Bon rebelle. La mère, ma bundu 400 francs. 50 francs. Wa na tango na biso. Ma bundu ya minene ya rouge. Et mon pico, 50 francs. Voilà que Thompson est à l'ordre. Thompson est à l'ordre. Sauf que si mon nigga a déjà 50 francs. Et belé. Thompson est à l'ordre. Et il y a un gars qui est parade de camp. Et il y a la place à la bout du camp. D'accord. Au début, période de pillage à 91, on dirait. On dirait après le pillage, Thompson est gardé hit parade. Il est le premier. Et le moins raté. Et le moins raté. Et qui est dans l'exéco, Thompson n'a pas tembé. Avant pillage, il n'a pas tembé. Il n'a pas tembé. Il n'a pas Papa n'a pas tembé. Il n'a tembé. Il n'a pas tembé. Fouma n'a pas tembé. Madesu n'a pas tembé. Mbengi n'a pas tembé. Et il n'a pas tembé. 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 Il Donc, avant pillage, tu as un amabou qui passe pour la blague, et puis qui calarasse qui est à pillage. Après que le rebond est libre, on a eu ma tembele, et pas à Wemba. Mais la Wemba, la Miloso, la ma tembele. Maman Dion. Maman ya Wemba. Maman Dion. Ah, la mi ma tembele, la Loso, après si Wemba, tout le monde a eu. Nga habité, nga l'air à ma tembele. Ah, Zorino, tout d'amé, quoi, nga bifié. Nga kote, nga l'air à ngote. Lia na yo. Donc qui passe tant que petit parcours dégue bo bandaki dans dégue bo évoluer mais yo OK dagui le sous sur la barote. Oh, Yahweh. Hey Yahweh. Yo que l'amour pour le bonheur de tous. Yahweh. Pourquoi par n'a rien comme un cadeau empoisonné. N'a ça non pas de rien. Ma loba qui trop mais ma sali moke. Ma mi pesi ba note mais ba souki na zela. De souki wapi. Un bien étranger. Prenez la suite, vas-y qu'il y a très méchant à minute. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est quoi ça? Les malons d'Abekan, qui c'est tout, ami intime. Système escalator toujours, tous à des boumes et tous à des français. C'est la Lilila, les Kamaïmona, la Sambomone Lilina, pour qu'on puisse abandonner facilement la image est naïe, pour qu'on m'appanoche à l'autre. Sakaposa maina lotokote Batubo sima sasi Olinga na puta salite ya zambi Kukwaya ngebo mwana ombe Amora na kana kia lozo Lile kono shanje bakule Lema ya kapopesa kwa ya suta Mbide kipata na sile mbwe kwenye Kwa mbuku kwa iso lenga Masika jiso mbwe kwenye 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 Amzona karofo Amosrara asan kamara Kasenye sona suwana bomwana Kasa boli kote Kobo mamula yona Chacha de guerre, ta izon chepa la obaya clave. Ayo wano zingila kambo motibaye. Ayo wano zingila deba gata bozake. Ayo wano zingila kan erna sokondi. Ya solo na nimi de sepa ya bolingo. Bapa sini nina ina mwana tepa lele oki manga o. Alexi ewiye. Et tu es tellement une fontaine de jardin. Yo, ça l'a dit, moi, que la maïma y bonheur.
Chaka mapasa Baksanya sona zuwana bomwana Asya boli mote Yusa jwa Bamba muna yona motema Se pa la verite Mondo nyo sasa na misa Bomwana pasina ba Lota bekalema Asa pongoko Tony Montana Le malonza se Mose binanga danje Awo pongo pongo Kolo saka zana zoko nangai Ndokite Se boli ndo Ekonya matana motema Nangai lombola de Londres, 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 Lond
avant que nous nous clôturons, je voulais savoir, en dehors de Patrouille des Stars, en dehors d'Extra Musique Internationale, est-ce qu'il y a-t-il des artistes invités qui prendront part à... Non. Il y aura que Patrouille des Stars groupes, et, voilà, les et deux Extra Musique groupes. Internationale. Très bien. En tout cas, c'était ça la dernière question. Donc, il y a un message. En dehors, il y a le 14. Toujours préparé, puis sorti album. Le 5 mars. Donc, le secret de ce temps. Le 5 mars, César Nagatia. Le secret de ce temps. Le secret de ce temps. Donc, beaucoup comprendre pourquoi. Beaucoup comprendre pourquoi silence au depuis un moment. D'accord. Il y a quatre albums, bah, Rafale album et Obima. Beaucoup comprendre pourquoi silence au tout ce qui tente, tout observer, bah, tout abîmer si bah, Katan a bah, on mais. Musique est traversée la frontière. Mais le rôle, donc, ça, c'est comme le dernier kata du maître. Voilà, donc le 14, Oana, le 14, on remet la musique congolaise à un niveau où il faut traverser la frontière. Parce que c'est la voix. Boza va chanter, c'est-à-dire concurrence au niveau déjà d'Afrique, et Boza les Loromorote. Bakuti Ayusundur, Bati Alpha Blondie, Bati Mori Conte, Bati Salif Keita, mais na Congo Brazzaville, Bakuti Ananyondore et Zao Kazmir. Na génération na Bissau. Il faut qu'on va compter Moyasco. On va défendre la couleur en boca. Ah, ça c'est un message. Ça, c'est, je vous le rassure, album Yalibosso Tangozo Bima, et ça pour Nakarato reprendre niveau, il y a musique na Bissau. Musique, ça Okufa, en boca na Bissau. Musique est à Koufa. Musique est à générique. Tant que tu as Pamelo, je ne sais pas si tu es là. L'argent appelle l'argent, ce n'est que ma secrétaire. Je ne sais pas si tu es là. Franklin Boukaka, tu es là. Mais pourquoi pas, je ne sais pas, depuis plus de 10 ans, je ne sais pas si tu traverser la frontière. Exacté. Donc depuis la série de Likasu, je ne sais pas si tu traverser la frontière. Exacté. Non, mon ibe fait à l'Ikasu. Mais ben, zembo go lega l'Ikasu peut-être go yana sima. Donc, bon, imaginez déjà, ben, effet nango, au niveau mondial. C'est pas pour rien que, bon, mon ake, Extra Musique Internationale, basa invité aux États-Unis, basa invité partout. Parce que, musique nanga, ils ont traversé la frontière, et on a, ben, demandé des agouna. Et ben, groupe ming, ils ont à Brazzaville, musique, ils ont traversé, t'es. La preuve, ben, bimaka ming, t'es. Voilà. Très bien, en tout cas, alors là, non, mais je reconnais qu'il y a, du vrai dans ce que tu dis, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous te recevons sur ce plateau du Fais ça tombe à la boca, et nous voulons que cette fois-ci, que ça soit... Non, j'ai décidé cette fois-ci de me remettre sur la scène et reprendre un peu le flambeau de la musique congolaise. Tout à fait. Qui était endormi depuis un moment. J'ai décidé, donc, au moins le monde en a eu, chaque fois là-bas. Ah bah, média. Bah, le but présent, comptez-moi ce qu'on a, c'est qu'on a Kanda. Kanda, topé, Kandate. Bon, quelque part, ça ressemble à un peu à un rage, Mokoboui. Ah oui, parce que je sens. Ouais, Naza vraiment. Cette hargne-là. Voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'on est bien en quête, quoi. Amingongo, ça a bien, il y a plutôt qu'on m'a cassé. Namboko, la biso. Nana, monte, mana, elita, tozo, elanini. Et comme yo boyange zoki fenani alita zodongolanga na sali yango nini ni okasanga bene pourquoi vraiment tobo makaye adamo chopipe ya wili etoka atoba bo makaye alita baza gentilité mabasa la bato atamo si baloba moto abomeli yo incendie pesa ye merci. Si mon toi bolingo alita chamala mekate akome mangambo honorable Alain Boyika Arma Kintiki Badita yankanda chamala leta buka kana yango watungana e chamala moka sikao kasu ya biso bolingo to batela. Jean-Pierre.
Hello tout le monde, coucou Juliette, j'espère que vous allez bien. Là, il y a mes deux gosses sur le plateau. J'imagine que l'interview, il doit être explosif. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour ma mimaine d'amour, ma sista, ma baby mama qui vient de sortir Train de vie. Voilà, tu sais très bien que je suis toujours derrière toi, que je t'encourage tout le temps, même si on se taquine, on se bagarre tout le temps. Mais t'es dans mon cœur et je suis très fière de toi, de tout ce que t'entreprends. Il n'y a que ton travail qui fera fermer les bouches. Bisous. Lina Mayem, ouais. Moi, ma sœur. Ah ouais, je la kiffe de ouf, moi, Lina. Elle est incroyable, hein, Lina. Ouais. Moi, Lina, c'est pas que dans la musique, hein. On se voit même en dehors de la musique et tout, on a des bons délires. Et franchement, je trouve que c'est celle qui me ressemble le plus. Oui, c'est vrai que vous ressemblez, je trouve. Et du coup, l'affinité, elle est passée directement. Au début, j'appréhendais un peu, tu vois, parce que je me suis dit, ah, c'est bizarre, tu vois, c'est toujours moi qui demande, c'est toujours moi qui... Mais elle, j'aime bien ce qu'elle dégage, je me suis dit, ça se trouve, ça va être explosif, parce qu'elle aussi, elle se laisse pas marcher dessus, tu vois. Elle est explosive de fou aussi. J'imagine-toi maintenant, on s'embrouille et tout, chaudard, les gens, ils disent... Ça part en clash, alors que... Imen et Lina se sont embrouillés au studio, un truc comme ça, non, alors que c'est passé tellement crème. Carrément, je lui ai demandé de m'aider pour écrire le morceau Djibril. Mm-hmm. C'est elle qui m'a aidée sur l'écriture et tout. Et pour les vibes et tout ça, je lui ai dit, écoute, moi, je veux vraiment que tu participes, tu vois, à ce projet et tout. Et elle était archi, archi contente. Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup, Lina. C'est une grande dame, une grande chanteuse. Ouais. Big up à Moussa aussi. C'est la famille. Prenons courage, c'est une guerre de colonisation que nous faisons. Ils ont pris pour prétexte des problèmes politiques. Chers Ivoiriens, c'est la nation qui a quitté notre café cacao, qui a quitté notre eau et notre courant, qui sont quittés. Jamais plus de feu, plus jamais d'assaillants. Déposons les hommes, asseyons-nous et discutons. Maman, Ivoirien, elle m'a fatigué. Des mutilés de guerre, des orphelins de guerre, et des enfants soldats, des familles entières massacrées, des familles entières sont tout perdues, pourquoi tant de bêtises créées, que l'on ne veut énumérer, mais qu'on est obligé de pardonner pour évoluer. Ivoirien, oh Ivoirien, fais plus de sang, ces gens. Voici notre producteur Guillaume. Bon, les filles, est-ce que ça va? Vous allez bien? Super, ça va et toi? Je suis ravie. Ça y est, là, c'est l'heure de présenter le titre, de présenter le concept, de présenter l'aventure. L'idée, en tout cas, de toute façon, vous allez faire, c'est le début d'une longue série d'interviews. C'est chambé parce que chacun va pouvoir donner son point de vue et son expérience sur un angle complètement différent. Nous, sur les légendes urbaines, c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas dans le rap game. Je sais que vous allez faire fif de Bouscapé, la famille, et j'imagine plein d'autres médias. Moi, si je peux continuer à vous donner des conseils, c'est rester naturel, rester vous-même tout le temps, en fait, sincèrement. Alors après, ne vous contredisez jamais en médias, c'est ce qui a flagué, même si faites pas de débat en fait, en réalité complétez ce que les gens disent. Des fois t'as des groupes en fait, ils ont arrêté de faire des interviews parce qu'ils sont pas d'accord et qu'ils se contredisent en plus. Même si tous vos angles et toutes vos histoires elles sont tellement différentes que plus vous pouvez raconter votre point de vue personnel, mieux c'est. C'est RFI, c'est France 24,
Donc c'est le monde. Donc on nous regarde au Gabon, on nous regarde en RDC, on nous regarde à Mada, on nous regarde au Brésil, en fait. Donc n'oubliez pas aussi de cette dimension internationale. Chila, c'est une professionnelle des interviews. Elle en a fait 1 milliard de 000. Non, mais c'est vrai. Mais t'as cette expérience-là. Vous, les filles, vous en avez fait moins. Et c'est vrai qu'en fait, sur des médias aussi généralistes que celui-là, il ne faut pas hésiter à faire des redites, en tout cas des choses qui vous paraissent des évidences, en fait, pour les gens qui vous connaissent déjà, mais qui, en fait, ne le sont pas, parce que quand tu t'applanches comme ça, tu parles à la ménagère de 50 ans, au ministre congolais, à l'expat français qui vit en Chine et qui n'est pas forcément au fait de ce qui se passe dans le rap game ou dans les cultures urbaines. Donc, ce que vous faites, c'est universel. Vous êtes des meufs universelles. Vous-même, vous êtes l'universalité à vous-même. Donc, gardez ça en tête, parce que dans votre façon d'avancer les choses ou d'expliquer les choses ou dans vos témoignages, en fait, pensez voilà, à ces millions de personnes qui... c'est pas comme si tu étais sur un média spé urbain où tu sais déjà que tu parles à des gens qui savent plus ou moins de quoi tu parles, etc. Même moi, vrai, dans mon vocabulaire, je vais parler de kickage, et en même temps, quand je dis kickage, d'un seul coup, je vais me rattraper moi-même pour dire mon kickage. Je suis sûre que quand même, il y a la moitié des gens qui vont pas comprendre ce que je veux dire. À la fin, je vais vous demander de passer un message universel, parce que justement, on écoutait un peu dans mon entier, etc. Donc n'hésitez pas. Et pareil, si vous avez un attachement à votre pays d'origine, en l'occurrence, n'hésitez pas aussi de faire un clin d'œil, etc. Parce que ça fait toujours plaisir et qu'en fait, il y a de fortes chances pour que ce soit reçu là-bas, quoi. Voilà, les filles. Trop bien. J'aime trop, c'est poignant. Ouais, le c'est très peu qu'elle a parlé là. Merci, je t'adore. Merci, mon chéri, je t'adore. J'ai dit, on va boire un verre après à l'heure de l'apéro. Là, c'est l'heure de dîner. Ah, tiens, comment elle est? Merci, vous allez, salut. Au revoir. Moi, c'est sur la table. Hey, tu fais bien dans le rap. Les gens urbaines, on se capte. Je reviens bientôt. Allez, bisous. Bisous. Au revoir. Ciao. Na kosela tangwe koma kona la kiseina.
Toronto,